avec. Bonne course à tous. Bonne plaisir. Coucou les amis, donc première grosse course depuis les Qatars en octobre, et là je suis à Saint-Antonin-Nobleval sur les Trois Rocs pour 49 km et 2100. Et là on est déjà chaud, on a fait un petit kilomètre avec 200 de positif et on va avoir une journée magnifique. Plus tard. Allez, le petit point. 5 km, 40 minutes et 300 de positif. Donc c'est parti un peu vite. Après la grosse montée, on a eu une longue transition. Et pas facile à quoi, parce qu'il y a des petits cailloux partout. Donc voilà, il faut rester concentré et d'entrer. Et après, un petit passage magnifique. Allez, à tout à l'heure au 10e. Gauche. Allez, là on est parti pour une longue descente. Ouais, ce qu'on a monté tout à l'heure en fait. On le redescend. Donc il faut être super concentré. Donc, on a de l'énergie, c'est le début. Ça c'est le petit groupe qui va doubler. Et tout à l'heure, pendant la petite pause. Bon là je fais le malin, c'est le début. Je ferai pas les mêmes tout à l'heure. Gauche, gauche. Merci. Pas trop, c'est pas fini. Kilomètre 10, 1h20 et 532 positifs, donc parti un peu trop vite pour moi.
je vais ralentir. Et sachant que le but aujourd'hui c'est de le finir, c'est un entraînement qui me manque 3 semaines de prépa. Que dans fin du mois je fais Otakam, Gastonborn, et ce sera ma deuxième course qualificatif pour la Diag, qui est le but cette année. Donc voilà, on va y aller tranquille, j'ai le sac un peu plus chargé. Et on arrive au ravito. Ah, c'est un passage magnifique ici. Alors 15 km, 2h11 et 777 positif. Bon, ça va pour le moment. Je pense que je vais caler au 25-30. Et je sais pas si je l'ai dit, il y a une barrière horaire sur cette course qui est au kilomètre 36. On repasse par le village. Et on a 6h30, je crois. Bon, normalement, ça devrait le faire. Et voilà, on y va tranquillement. Il fait super beau, super bon, c'est vraiment l'idéal. On risque d'avoir chaud en début d'après-midi. On n'est pas assez. On est au kilomètre 19, 2h38 et 891. Voilà, trouver un petit partenaire là pour une petite course qui a fait la diagonale. Du coup, je prends des infos et c'est bien sympa quoi. Sur 10 mètres là. Ok. Voilà. Merci. Donc ici, c'est pas le roc d'Anglar, c'est le roc pointu. Le roc pointu avec le village de Casal. Le roc pointu. Le village de Casal. Et vous allez monter, vous allez en face, au roc bossu. D'accord. Alors, on vient pas d'en face là? Si, vous venez de là-bas. Ah, j'en ai vu. Vous êtes descendu par celui-là. Là. D'accord. Ouais, face vous. Ah oui, on les voit là. Voilà. Ok. Bon, merci. Là, et sur votre gauche. Là, ok. Allez, j'ai passé un ravito en haut. Je suis au un peu plus de 20 km, 3h06 et 1065 de positif. La moitié du positif est passé, déjà ça. Donc il reste 30 bornes et 1000. Voilà. Donc ça commence à tirer. J'avais une petite douleur à la fesse depuis la semaine dernière. J'aurais pas dû jouer au foot. Voilà. Et donc je la ressens un petit peu là. On va voir comment ça se passe dans le temps. Mais bon, il fait toujours beau. On est mieux là qu'à la maison. Donc il faut en profiter. Et il m'a dit c'est bon. D'accord. Tant pis. Pas de problème, parce que là-bas, il faut pas abandonner n'importe où, parce qu'on est quand même obligé de continuer. Hein. Alors voilà, parce que là, à Marla, quand je suis allée dans la première année, ensuite, du coup, bon, j'ai dormi à Marla. Ouais. Et le lendemain matin, bah, il faut remonter. Ah oui. Et à pied.
Oh là là. Donc avec le genou en vrac, j'avais 3 heures de montée. Parce que j'ai pas les moyens de payer un hélicoptère. Donc voilà, B, c'est bon test. Bonjour. Vous bougez avec le soleil, c'est ça? Vous êtes bien là. Merci. Devant, je pense que tu descends plus rapidement que moi. Ouais, ouais, si. Ouh, départ là. Là, on se croit un peu dans les calanques de Marseille. Il y a un peu les mêmes trucs. C'est un passage super sympa. Ah. Allez, faut escalader. Bon, Laurie, elle est 10 minutes devant à tout casser. Mais Sylvain, je l'ai pas vu. Sylvain, je n'est pas possible que je l'ai loupé. David était beaucoup devant, hein. Allez. Allez, ah tu veux me donner ça? Merci. À tout à l'heure. La Rochelle qui est revenue. Ouais, c'est ça. Bon, le Statouzé est quand même plus fort que la Rochelle, mais... Ah, on traverse? Voilà. Attention, pas de se couper. Merci à vous. Merci. Allez. Merci quand même, ils sont jamais venus, ça reste. Allez, courage. Oui, il en faut, oui. Oh, le truc a bien changé. Le truc, le champ. On passe en face là, on doit remonter là-haut. Allez, j'arrive au kilomètre 25. 4h, 3h55, 1003 de positif. Donc moitié de parcours, il reste 800 mètres, 800 de positif. Là, j'arrive à Ravito, super animé. Ciao. Bonjour. Dans 15 jours. Allez, on prend la première rigole là. Hop. C'est à la bourre. Laurie, un quart d'heure devant par là, ça va? Allez.
Chaud, merci. Allez, là on attaque la 20e montée avant d'aller d'arriver à Saint-Antonin pour la BH. Donc je pense que les montées j'ai du mal tout le temps. Ça va piquer, puis là ça attaque raide. Le film est pas ralenti, c'est ma vitesse. C'est dur. Importe bien son nom, celle-là. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Bon, je suis pas loin du 30e kilomètre. Ou du 29, parce qu'à Paris, j'ai un kilomètre de plus. Et 1500 positifs. Et 4h50. C'est terrible. C'est très dur. C'est chaud. J'ai une petite fringale, il faut que je mange. Et voilà, très dur. En bas au pont. Bon, je viens de croiser des baliseurs là. Et ils me disent qu'il reste 6 km pour arriver au ravito et moi j'ai qu'il me reste 3 km et demi. C'est pas la même quand même, surtout que j'ai plus que une heure pour y arriver. Bon, même si ça devrait être bon, mais ça pique, ça pique. La tentation des bâtons est forte et la musique c'est pour bientôt, je pense. Parce que là je vais rentrer vraiment dans le dur. Moi bon, je suis pas derrière encore, mais ça ne saurait tarder. Je pense que je suis dans le top 10 là du fond du classement. Il fait chaud, très chaud. Bonjour. Oh, c'est moyen là, c'est ça. Oh, allez. Bon, kilomètre 35 à ma montre, ou 34, 33, je sais pas où j'en suis. Et 5h47, donc là il me reste 40 minutes. Et 40 minutes pour arriver
à la BH, là, c'est-à-dire au village, ça doit pas être trop grand. Et 1665 de positif, ça veut dire quand même que si c'est juste, c'est très roulant, la deuxième boucle. Donc on verra ça. Bon, j'entends là. J'entends le speaker de la compète. Donc je vais arriver au village de Saint-Antonin. Et après, en fait, il faut repartir de là. Et pour une boucle de 13 bornes et 500 positifs à peu près. Donc je vais pas m'y éterniser parce que c'est un truc à rester sur place là. Si on commence à regarder les mecs s'arroser, boire des bières, mentalement c'est pas possible. On a envie d'arrêter. Surtout qu'il fait très très chaud. Voilà, allez, à tout à l'heure, je rallumerai pour la traversée du village. Ah, ce qui est terrible, que je revienne là et Sylvain a fini. Donc Sylvain a fini, il a fini 24 je crois, donc c'est super perf. Surtout qu'il avait mis 6h36 il y a quelques années. Donc voilà. Allez, choper le ravito, je vais mettre les écouteurs, écouter la musique. Et on va finir ce chantier. Oh, il fait bon là. J'arrive au ravito de Saint-Antonin. Ah, ils ont prévu la flotte. Trail 3 ou 20 ans. Allez, une montée de moins. Une belle vue. Et je pensais que la barrière horaire c'était 6h30. En fait, c'était 6h15. Donc je suis passé ric-rac. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un surfi là, c'est ça. C'est celui qui est juste avant le dernier, donc je suis dernier. Oui, c'est ça, il vient de se doubler. Donc. Voilà, donc je l'avais jamais été, voilà. Donc j'ai partagé, tu vois, le surfi là. Il faut aller en face encore. Voilà, voilà, il reste un bout. Allez, je suis au 41e kilomètre à ma montre, donc a priori c'est le 40e kilomètre. 1009 de positif et 7 heures. J'ai toujours le surfi avec moi, qui est Michel en fait, c'est l'organisateur du TTR. Donc il est au four et au moulin ce monsieur, et il faut vraiment le remercier quoi. Il nous fait un parcours top, une belle organisation, c'est vraiment vraiment génial. Bon, après la météo il fait pour beaucoup aussi, donc voilà. Bon, et moi je suis vraiment dans le dur là. Les montées sont terribles, je crois qu'il m'en reste une crosse d'après Michel. Et voilà. Bon, ça va le faire. Je vais peut-être arriver à ne pas sortir les bâtons. Ce qui serait un objectif réussi. Saint-Antonin en bas? Ouais. Bien en face là-bas. On longe, après on descend et on remonte d'en haut là. Ça va être compliqué pour la remontada là. Oh, allez, allez. Ça va Michel? Ils vont te tuer quoi. Qu'est-ce qui s'est passé au devant? La barrière. Allez, allez, il est hors des questions que je vous laisse ma place de dernier là. Ça se défend jusqu'au bout ça. Il y a un loup pour les derniers ou pas? Non.
Même. J'ai connu ça sur des courses, pas que que je suivais, que je pouvais, je veux dire. Vous voyez les derniers, il y en avait, ils ralentissaient pour avoir le cadeau du dernier. Ah, c'est moche. Donc, moi, j'ai dit, on fait jamais ça ici, quoi. Ils font ça à l'UTPM, hein. Sinon, tu te caches, tu laisses passer le serre-fil et tu continues, quoi. Il faut... Allez, je suis au kilomètre 45 et demi, ou 45, j'en sais rien. En 8h18, j'ai 2100 de positifs. En théorie, j'ai fait la dernière montée, c'était terrible. J'ai pris les copains bâtons là parce que sinon j'y serais pas arrivé, j'ai envie de vomir. Donc voilà, derrière j'ai un nouveau serre-fil. Et voilà, toujours dernier. Donc compliqué la fin. Mais bon, je le savais. Je le savais. Voilà, allez, à plus tard peut-être à l'arrivée. Allez, coucou, je suis au 49 km à ma montre, donc en théorie j'ai fini. Dernier dévelé 2200 et je suis à 9h. Je suis avec le serre-fil Thierry. On se tient compagnie, du moins il me tient compagnie. Et voilà, j'étais bien bien mal à la montée là. J'avais envie de vomir, j'étais vraiment pas bien. Et là ça va, surtout avec les bâtons, c'est quand même plus simple. Donc normalement je m'approche à la dernière descente. Et il y en a trois qui sont devant, peut-être je vais arriver à les rattraper, manière. Mais j'ai quand même conservé ma dernière place. Lanterne rouge, c'est une fois dans sa vie. Donc je vais y arriver, je vais le garder. Allez, à tout à l'heure sur l'arrivée. Voilà, j'en finis. Thierry m'a accompagné, c'était bien sympa. Ça m'a permis de finir plus facilement. Donc en 9h14, 2002 et 50 bornes, ça va, j'ai fini. On se fout un pas sous pour aller sous l'arche. Bonjour, l'ultime finisher. Ah, tu es avec moi. La 19e édition. Merci. Avec le serre-fil que l'on salue aussi, la ligne d'arrivée, c'est bouclé. Jérémy de Bruno Péché.